se retrouve pour Arctica, un jeu des développeurs de Metro. Donc on va découvrir tout ça avec l'Oculus Rift S. Donc on est parti! Bienvenue à vos stocks. Vous aimez le froid, j'espère. Ah ouais, j'adore. Là, j'ai mon ventilo qui souffle exprès pour simuler le Je suis froid. Victoria. Vous avez été briefée en acceptant la mission. Yes. Mais d'après mon expérience, je sais que Citadel ne vous dit pas toujours tout. Comme vous le voyez, la sécurité est renforcée aux abords et autour de la colonie civile. Mais ce n'est pas là que vous allez être. Moins 36 degrés quand même. Citadel vous envoie protéger le transporteur. Vous devrez vous en charger presque seul. Salut les gars. Merci. Il y a des gens bien ici. Pour vous, c'est qu'un boulot. Mais nous, on espère un nouveau départ. Putain, c'est beau, Chez mais un Citadel, truc de fou, certains l'ont hein. oublié, ça. Je Avant, vous ai il y mis avait les une grande ville, sous-titres, mais quand je tourne la et tête, même une université. c'est marrant. Mais après le grand froid, ceux qui ont pu partir l'ont fait. Les autres, eux, se sont rassemblés à Arctica 1. Nom et objet de la visite. Un mur a été oh, érigé. Oui. Je vous en mais n'étant prie. pas de l'eau, l'ancien Je suis transporteur tellement s'est manque avéré de protéines inutile. que j'ai cru que j'allais me transformer en gamin. Plus tard, en revanche, il a servi oui. au traitement du Même de la deutérium. poudre d'insectes. Citadel envoie des gens quoi. comme vous pour le protéger. Facile. Croyez-moi, vous ne vous ennuierez pas. Ok. Salut le nouveau. Allez pas finir en pâté pour les Yagas. Ah, Victoria, t'inquiète. vous avez pas froid? Très drôle. Vous voulez bien donner mon passe à Michel? Il est Ok. dans la boîte à gants. Oui, le protocole l'exige. Tiens. C'est bon, quelle surprise! Merci. Vous devrez affronter des hordes de bandits. Pour la plupart, ce sont des mercenaires. Enfin, j'ai dit qu'il y avait des gens bien ici, c'est vrai. Mais certains commettent des crimes. Alors, on les exile. Pour protéger nos familles, nos enfants. La plupart des exilés meurent, mais certains deviennent des bandits. Je veux dire que si vous hésitez, vous êtes mort. Misha a parlé d'un autre problème, les Yagas. Au début, la nourriture manquait. Des milliers de gens sont morts de faim. Les survivants avaient si faim qu'ils mangeaient les morts. Ces stalactites rouges, des algues mutantes prises dans la glace quand la lutte contre le réchauffement climatique a échoué. C'est une chose similaire qui a transformé les Yagas qui manquaient de nourriture en... Enfin, vous verrez. Putain, les loulous, le réchauffement le nom Yaga fait climatique, référence quoi. à Baba Yaga, une sorcière de notre mythologie. Laide et puissante, et réputée pour dévorer les enfants. Bon, on la connaît bien. Les bandits volent le deutérium. Les Yagas, c'est vous qu'ils veulent. Abattez-les à vue. Vous leur rendrez service. Ok. Regardez à gauche. Ces deux-là sont là pour chasser les Yagas. Excellent. Juste devant, c'est la porte. Et à droite, c'est le transporteur.
On voit encore les avions de l'époque. Ah ouais. Le véhicule de ravitaillement va à Artica 1. Le voilà, sur votre gauche. On se dirige vers l'ancienne tour de contrôle, qui sert désormais de base aux opérations de Citadelle. Je le répète, vous assurerez la sécurité du transporteur, mais les robots vous prêteront main forte. Sans compter l'équipement mis à votre disposition. Ouais, logique. J'oubliais, votre moyen de transport. Vous en aurez besoin pour vous rendre dans les lieux les plus éloignés. Ah ouais? Mais en général, vous parcourrez les courtes distances d'une toute autre manière. Très bien. C'est rame un peu la porte. Le téléporteur. Allez jusqu'au commutateur. Ah ouais. Ok, donc on se téléporte pour se déplacer avec A, B, X ou Y. Donc allez, tirez sur le levier pour mettre le courant. Voilà. Voilà, c'est mieux. Maintenant, dirigez-vous vers l'ascenseur, on va monter. Dans la tour de contrôle, il y a trois niveaux. Le garage, l'armurerie et le centre de contrôle en haut. Ok, ok. Arrêtons-nous d'abord à l'armurerie. Très bien. Nous y sommes. Les femmes d'abord. Alors, ces deux-là constituent le premier lot d'armes que Citadelle vous autorise à utiliser. Ouais? Remplissez des missions pour obtenir d'autres armes et améliorations. Ok. Ces pistolets ne se chargent pas comme ceux que vous connaissez. En effet, ils peuvent se recharger automagnétiquement. Pour le charger, baissez vos mains sur vos hanches, comme ça. Ouais. Prenez-la. Ok. Vas-y, donne. Donc je fais Allez. Ça. Tirez sur les cibles et prenez le coup de main. Oh là là. Super. Ah super, il vise à vous côté. Devez baisser les mains pour recharger. Ok. Bon. Baissez vos mains d'un coup sec. Maintenant, posez cette arme, je vous montre comment recharger la deuxième. Ok. L'autre se recharge automatiquement quand vous encliquez le canon vers la gauche, puis en arrière. Essayez donc. Vers la gauche, puis en arrière. Je veux dire sur le côté, quoi. Tirez sur les cibles. Genre comme ça, quoi. Wouah! Ces bandits n'ont aucune chance. Ça, c'est de l'arme! Je fais ça. Prends le choix de citer. Il y a une chose à faire avant que je tire. Mais vous devez d'abord engainer vos mains. Les ennemis sont magnétiques. Lorsqu'une arme a été couplée à son étui, elle y retourne automatiquement. Très pratique. Levez les bras, pliez les coudes et ramenez les mains sur les épaules. Relâchez, elles s'engaineront. Le pistolet vibre un peu lorsqu'il s'approche des aimants. Ouais, ça indique que vous êtes bien placé. Je crois que vous êtes prêt pour la simulation d'entraînement. Maintenant, vous pouvez mettre le casque VR. Ah ouais! Casque VR! Allez, très c'est bien. Parti. C'est l'occasion de goûter à la téléportation, mais aussi au tir. Très bien. Alors, mission 1. Objectif principal, tuer tous les ennemis à l'aide des compétences Appuyez apprises. Très bien. C'est parti.
plutôt sympa, non? La réalité virtuelle. Ah ouais, c'est cool. Comme dans la vie, votre assistant informatique déterminera automatiquement le meilleur lieu où vous téléporter. Maintenant que vous maîtrisez vos armes, suivez-moi. Vous allez voir la salle de contrôle et vos quartiers. Ok. Eh ben go. Nous allons en haut. De ce côté du mur, nous sommes protégés. Dès que vous êtes prêt, rejoignez le transporteur avec votre moyen de transport. Il y a du café, de quoi manger, de la musique, des livres. Mais ne comptez pas sur du temps libre. Moi, je bosse là-bas. Je ne dors jamais. Waouh. Nous serons en lien constant tous les deux. Très Vos bien. Vos missions seront enregistrées sur ce NAVCOM. Ouais. Connectez-le ici, sur le bureau. C'est fait. Bon, écoutez. Neutralisez tous les bandits du terminus du métro. Méfiez-vous des autres créatures qui s'y trouvent, et faites en sorte de ne pas croiser le robot sentinelle. Il débloque un peu et j'ignore quelle serait sa réaction. Démarrez votre NAVCOM et soyez prêts. Excellent. Ça fait quoi ça? Je serai à mon poste pour éviter que... Au pif, je dirais faut aller au garage. En vrai, je sais pas trop. Ça y est, je suis perdu. Ah si, ça doit être ça. Métro, mission 1. Yeah. Bam. Vous y êtes. Commençons. Souvenez-vous, essayez de désactiver le robot pour qu'on puisse le réparer. Mais il serait plus simple de le détruire. Putain, Méfiez-vous excellent. Méfiez-vous aussi des bandits et des autres visiteurs hostiles. Mais pourquoi vous avez mis toutes bon, ces voitures? Au travail. Ils sont... Je vais prendre mes armes au cas où. Engainez vos armes pour ouvrir la porte. Utilisez vos étuis magnétiques. Allez, tirez ce levier. Oh. Attention. Des bandits. Ouais, bah j'ai remarqué, ouais. Là, derrière la voiture. Derrière la voiture. Bon bien la bagnole est toute. Oula. Là, par là les gars. Oh le bâtard, il tire tellement GG. Voilà. Je rigole plus. Il est... Des
soldats blindés. Vu leur équipement, ils sont plus difficiles à éliminer. La solution la plus efficace, c'est encore de viser la tête. Pas mal pour une première. Y a plus personne ici. Passez à l'étage suivant. J'y vais. Bon, faut que je prenne l'habitude de mieux viser, mais vers la fin, c'était mieux. Ouais. Ouvrez l'œil. Je suis prêt. Fly. Waouh, quelle rapidité! Vous avez neutralisé la zone. Beau travail. Continuez. Ok, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah ouais. J'étais en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Zbim. Ok, go. Des snipers. Prudence si vous apercevez leur laser. Le voilà, sur le balcon. Putain, ils font mal. Et là ? Butons-le ! Et allons boire un coup ! C'est fait. Sérieux? Je suis tellement pas gaucher. Vous avez géré. Ils sont bien plus nombreux que d'habitude. Ça me dérange. Dans cette section, il y a un gros générateur. Une fois le cas du robot réglé, allons voir s'il est intact. L'ascenseur principal qui mène à l'étage supérieur est HS. Alors utilisez l'ascenseur de secours là-bas. Consultez votre carte bracelet pour plus d'informations. Pour l'ouvrir, appuyez sur la touche holographique au dos de votre main droite. Alors, placez votre doigt gauche sur l'appareil à droite. Voilà, la tablette affiche les objectifs de mission, le statut et votre emplacement. Ok, donc éliminer tous les ennemis, protéger le générateur, neutraliser le robot. Je détecte du mouvement devant, et ils sont nombreux. Ouvrez l'œil, avancez jusqu'à la prochaine porte. Et comment ça, là? Si j'y vais comme ça, on s'en fout. Ah ouais. Ah ouais, non, attendez. Ah non, c'est la croix. Ok, j'avais peur. Alors, 381, donc le code est là. C'est compliqué, là.
Vraiment. Des Yagas. Maintenant, vous comprenez pourquoi je disais qu'ils n'étaient plus vraiment humains. Les Yagas se déplacent très vite, alors faites attention. Voilà. C'était pas mal comme ça. Je vous avais prévenu, ils sont horribles. Les scanners captent une forte activité, sûrement d'autres Yagas. Il est très probable que le robot se trouve aussi dans cette zone. Ouais, ça s'en sert. Des Yagas. Les laissez pas s'approcher de vous. Bravo, ça avait l'air facile. Bon, quand vous trouverez le robot, ou quand il vous trouvera, désactivez-le en retirant les batteries qu'il a sur le dos. Si vous n'arrivez pas à les retirer, elles exploseront et on ne pourra plus rien pour lui. Citadelle déduira les dégâts de votre salaire. Ah mais c'est gentil. Oh non, je détecte quelque chose de gros, d'énorme. C'est peut-être le robot. Ouvrez l'œil. Préparez-vous. Pas un geste. Wow. Il ne vous considère peut-être pas comme une menace. Ou peut-être que si. Dégagez tout de suite. Son talon d'Achille, c'est ses jambes. Salut mon petit. Ok, bah c'est parti. J'arrive pas à croire que tu manges ça. Quoi, des rats? Ça fait pas longtemps que t'es ici, toi. Voilà, c'est réglé. C'est bon en tout cas. Hein. Truc de fou, quoi. On voit qu'on est sur un shooter, mais c'est classe, hein, franchement. Allez les gars, allez les gars. Vas-y. Regardez, il est là. Putain, c'est une putain de mercenaire.
Voilà. Allez, on peut l'avoir. Okay. Super, joli tir. J'ai des nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que la salle du générateur n'est pas très loin. La mauvaise, c'est que plusieurs de ces enfoirés sont déjà à l'intérieur. Ouvrez l'œil, il faut à tout prix le protéger. Pago. Voilà. À crever en soirée, les gars. Le feu à volonté. Là, je suis à sec. Je recharge. Il est fait. À l'attaque. Putain de merde. Je suis sec, faut que je recharge. Oh, enfoiré de mes deux. Ah, il veut pas mourir, hein. Faut que je recharge. Purée. C'est bon, je me saoulais. Descendez-moi cet enfoiré. Sors la tête. Voilà. Beau tir. Ne traînez pas, foncez au générateur. On ne peut pas prendre le risque d'avoir encore d'autres pilleurs dans le transporteur. Ok. Wow. Ce type a une bombe. Empêchez-le de faire exploser le générateur. Allons boire un coup. Arrêtez-le, vite, arrêtez-le.
travail, vous avez réussi. Maintenant, à l'aide du panneau de contrôle, verrouillez les portes et rentrez à la base. J'ai eu des nouvelles du robot. Elles ne sont pas bonnes. Ah ouais ? Comment ça, elles sont pas bonnes ? Pauvre robot. Vous revoilà. Pas mal pour une première. J'ai déjà crédité votre compte. Les nouvelles sont mauvaises. J'ai réalisé un diagnostic à distance du robot pendant que vous combattiez les bandits. Apparemment, il n'était pas du tout défaillant. Il avait été reprogrammé pour attaquer toute créature vivante. Pas uniquement les Yagas et les bandits. Aucun colon ne ferait une telle chose. Et les bandits en seraient incapables. Mais pour le moment, j'aimerais que vous enquêtiez sur autre chose. Le plus grand nid d'Yaga se trouve dans l'ancien centre commercial de l'aéroport. Il n'y a qu'eux qui y vivent. Chose étrange car j'y ai détecté une forte activité électronique. Avec ce qu'on vient d'expérimenter, vous devriez aller voir. Pensez à récupérer vos améliorations à l'armurerie. Ok. Vous pourriez aussi vous entraîner si vous voulez. C'est parfait. Ok. Donc les loulous, nous on va se laisser là, je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye!